Je viens de la résidence du président Moïse Katumbi, qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomon Escadella, ici à Kinshasa, dans le quartier Makampagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la résidence de Moïse Katumbi, DGB? En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé de fond en comble. Les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les casseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire et effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais quand cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre. Exactement. N'avez-vous pas peur? On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher puisqu'on n'a commis aucun acte. Je crois qu'Ensemble pour la République ainsi que tous nos militants doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général et nous ne faisons